Mais, chers amis, une petite clé importante sur laquelle on a... Enfin, j'apporte beaucoup d'importance, en fait, c'est cette notion d'amener les gens à être attentifs à ce sur quoi ils posent le focus et surtout ce qu'ils expriment, notamment dans les relations qu'ils ont dans leur couple, avec leurs enfants, leur famille, leurs collaborateurs, leurs amis, enfin bref. C'est est-ce que j'ai développé cette habitude de mettre l'attention sur ce qui est positif et de l'exprimer? Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à mettre le regard sur ce qui ne va pas et du coup de l'exprimer aussi? Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne génère pas du tout une interaction de la même façon avec son environnement. Et donc, c'est pour ça que je vous attire sur cette attention. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce, sur quoi je porte mon attention le plus souvent et qu'est-ce que j'exprime autour de moi? Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce que c'est plutôt négatif? Et si c'est positif, bah, vous allez voir que ça va vous entraîner dans une énergie différente dans cette interaction avec les gens avec qui vous allez. Donc si, dès aujourd'hui, vous avez envie de tester cette expérience, je vous invite à le faire. Voilà. Et surtout de prendre en main ces rituels quotidiens qui peuvent vous changer, non seulement la vie, mais aussi celle de vos proches. À tout bientôt, c'était Polo, et au grand plaisir de vous retrouver.